Salut les voyageurs, on se retrouve cette fin d'année 2020 pour un tuto qui m'a été demandé il n'y a pas longtemps par un abonné. C'est sur le sujet des giratoires. Alors les giratoires, c'est probablement, vous l'aurez remarqué, quand on discute avec des proches, y compris des gens qui ont fait confiance au niveau de la conduite, un sujet qui divise beaucoup. Et comme vous le verrez après ce tuto, on entend parfois des choses totalement fausses. Alors, comme un tuto qui avait déjà eu lieu à l'époque sur les permis de conduire, dont tu trouveras le lien ici, eh bien c'est sous la forme de quelques questions. D'abord un quiz, quelques questions avec quelques secondes pour répondre, et puis ensuite un certain nombre de conseils, et particulièrement pour le fait d'aborder paisiblement des giratoires en camping-car. A tout de suite. Alors, comme souvent dans ce genre de tuto, il y a un document officiel qui fait foi, c'est le code de la route. On ne parle pas ici de code de la route spécialisé pour les camions, qui pourrait peut-être être adapté ou adaptable pour les camping-cars poids lourds. Moi, je ne connais que le cas des camping-cars 3,5 tonnes, avec dans notre cas une remorque à l'arrière. Et le document qui fait foi, c'est le code de la route. Ce code de la route, tu peux le trouver sur notre site aeaoncc.com. C'est un site qui contient également des cartes qui localisent les vidéos que nous avons réalisées et d'autres petits éléments intéressants. Dans ce quiz, on va avoir deux cas de figure. On va avoir les giratoires de petite taille, à une seule voie de circulation et quatre sorties possibles. Et puis on va aussi avoir des giratoires de plus grande taille, avec deux voies de circulation et également quatre sorties possibles. Pour ce quiz, on ne va pas particulièrement parler de camping-car. La partie camping-car arrivera dans la deuxième partie, mais il n'empêche que ce sont de toute façon des éléments applicables aussi au camping-car. Les sorties sont matérialisées par des numéros très visibles, 1, 2 ou 3. Premier cas de figure, j'arrive avec mon véhicule, je souhaite sortir à la première sortie. Est-ce que je peux me permettre de viser le centre d'un giratoire, puis ensuite de prendre à droite ? Dans ce cas précis, il n'en est pas question, le code de la route est très clair, on doit rester le plus près de la droite de la chaussée. Deuxième cas de figure, j'arrive au niveau du giratoire et je dois sortir pile en face. Est-ce que je peux me permettre de passer par le centre du giratoire avant de me rabattre ? Encore une fois ici, nous allons nous référer au code de la route, plus particulièrement à l'article 412.9, qui dit quoi ? Que bien sûr il faut rester sur le bord droit de la chaussée, mais que quand on se trouve dans un giratoire, on a la possibilité de s'en écarter à partir du moment où on a envie de sortir sur notre gauche par rapport à notre point d'entrée. Alors ça c'est quasiment de la géométrie. Alors est-ce qu'on est dans ce cas-là ? Reprenons notre véhicule qui arrive au niveau du carrefour et traçons cet axe qui représente son entrée dans le giratoire. En fait, si vous prenez la sortie parfaitement en face, on ne se dirige pas vers la gauche de cet axe d'entrée, mais exactement sur l'axe d'entrée, on retombe à ce moment-là dans le cas « vous devez rester sur la partie droite de la chaussée ». Et à partir de là, il est normalement hors de question de rejoindre le centre du giratoire pour ensuite rapidement se rabattre pour prendre la sortie en face. Voici un nouveau cas de figure, j'arrive en véhicule et je veux prendre la troisième sortie. Dans ce cas-là, est-ce que je suis en mesure de viser l'intérieur du giratoire et surtout est-ce que j'y suis obligé ?
fois, l'article 412.9 du Code de la route est extrêmement clair. J'ai la possibilité de m'éloigner du bord droit de la chaussée puisque je vais emprunter une sortie qui est située sur ma gauche par rapport à mon axe d'entrée que l'on voit maintenant. Donc j'ai la possibilité de viser le centre du giratoire et ensuite de me rabattre à partir de l'avant-dernière sortie. J'ai la possibilité, l'article dit « peut » et non pas « doit ». Donc il n'y a aucune obligation à se comporter de la sorte. On a tout à fait la possibilité également de faire le tour complet du giratoire. Cas concret qui peut vous arriver également avec un camping-car, imaginons vous conduisez le véhicule orange, vous avez mis votre clignotant sur la droite, vous voulez vous rabattre, sortir. À la prochaine sortie, un véhicule se trouve légèrement derrière vous sur votre droite. Avez-vous la possibilité de passer devant le véhicule bleu ? Toujours notre même article de loi de circulation routière, à l'intérieur des giratoires à plusieurs voies, ce sont les règles de priorité classiques qui sont à adopter. Or, la priorité de base, c'est la priorité à droite. Et donc, même si le véhicule jaune a mis son clignotant pour se rabattre, il doit la priorité au véhicule bleu et doit le laisser passer devant lui. Si c'est relativement simple sur un petit carrefour, ça se complique sur des carrefours à de multiples voies. Et c'est pas non plus facile, si on se retrouve dans cette situation de véhicule jaune en camping-car, de se rabattre en toute sécurité. L'utilisation des clignotants est également un point dont on doit parler. Par exemple ici, tant que je reste dans le giratoire, avec le camping-car, j'ai une tendance à laisser mon clignotant à l'intérieur du camping-car. Ceci informe bien les personnes qui attendent pour rentrer qu'il ne faut pas y aller parce que je continue. Mais juste pour information, le clignotant à l'intérieur des giratoires n'est pas du tout obligatoire. Et quand je viens de dépasser l'avant-dernière sortie, alors je change mon clignotant. Je mets mon clignotant à droite pour clairement mentionner que je sors dès la prochaine. Ceci est obligatoire et vous pouvez prendre un PV si vous ne le mettez pas. Dans le cas de la première sortie possible, il s'agit de mettre son clignotant vers la droite dès qu'on rentre dans le giratoire et on conserve ce clignotant à droite jusqu'à être sorti du giratoire. Si je dois sortir en face avec mon camping-car, comme on l'a vu dans le quiz, je vais tout de suite mettre mon clignotant sur la gauche pour indiquer que je reste dans le giratoire, mais par contre, je vais emprunter la voie la plus à droite puisque ceci est écrit dans le texte de loi. Et puis on se retrouve ici dans un grand giratoire en camping-car avec une sortie qui se trouve sur la gauche par rapport à mon axe d'entrée, et bien dans ce cas-là, je vais exactement me comporter comme les camions. Vous pouvez tout à fait observer la majorité des camions qui prennent des giratoires. Ils font exactement comme ça. Ils restent sur la droite. Ils indiquent avec leur clignotant gauche qu'ils vont y rester. Ça, c'est important pour que les gens ne viennent pas se rabattre devant vous. C'est important pour que les gens ne rentrent pas au dernier moment dans le giratoire en croyant que vous allez sortir parce que vous roulez forcément lentement. Et je changerai mon clignotant à l'avant-dernière sortie avant de quitter le giratoire. Pour résumer, finalement, il y a des textes de loi mais aussi du bon sens. Le clignotant est obligatoire pour quitter un giratoire ou pour changer de voie dans le giratoire. Attention, la priorité à droite s'applique quand il y a plusieurs voies dans le giratoire. Il n'est pas du tout obligatoire d'utiliser un clignotant pour rester dans un giratoire. Par contre, qu'est-ce que c'est pratique pour informer les autres ? En ce qui nous concerne, avec un camping-car de plus de 7 mètres de long et une remorque, on va rester systématiquement sur l'extérieur du giratoire. Premièrement, parce que puisqu'on découvre le coin, c'est rare qu'on sache exactement si on se trouve avec une sortie sur la gauche ou pas de son axe d'entrée. Ça, c'est quand même difficile à savoir. Donc, on a une tendance à chercher, donc on reste à droite.
et on va se comporter exactement comme les poids lourds, et les poids lourds sont quand même des professionnels de la route. Bien sûr, ce ne sont ici que des conseils, après tu fais comme tu veux, mais ces conseils fonctionnent particulièrement bien et ça évite des pépins avec les autres usagers de la route. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle aura été très informative sur les giratoires. N'hésite pas à commenter, n'hésite pas pour le pouce bleu, bienvenue si tu veux t'abonner et pourquoi pas proposer d'autres thèmes de tutos traités de cette manière. Excellente fin d'année 2020 à toutes et tous et à bientôt.